Salut à tous, nous voici à Dubaï, plus précisément sur la ligne de départ des 24 heures, un événement qui associe d'exceptionnel et qui accueille pour la première fois une équipe de 4 pilotes constituée de joueurs de Gran Turismo sélectionnés via la GT Academy. Donc ces joueurs, certains d'entre eux, seront pour la première fois en compétition contre des véritables pilotes professionnels. On a pu recueillir leurs impressions d'avant-course, mais pour l'heure, on vous explique plus en détail en quoi consiste la GT Academy par un petit sujet. Passer d'un jeu de course sur console à la course réelle, la proposition semblait intenable. C'est pourtant le défi que Nissan et Sony se sont lancés en créant la GT Academy, à mi-chemin entre le concours et la formation professionnelle. Depuis son lancement en 2009, cette compétition sélectionne les meilleurs joueurs de Gran Turismo pour les former à la conduite sur circuit. Objectif, leur permettre de prendre part à une véritable course. Tout commence sur le PlayStation Network où s'affrontent plusieurs milliers de joueurs européens et américains pendant 2 mois. Les 2 premiers de chaque territoire accèdent ensuite au Race Camp, programme d'entraînement quasi militaire sur le circuit de Silverstone. Lors de cette ultime étape de la compétition, les finalistes se départagent sur leur aptitude au pilotage, mais aussi sur leur forme physique et leur niveau d'anglais, les qualités que tout pilote professionnel se doit de posséder. Après Lucas Ordonez en 2009 et le Frenchie Jordan Tresson en 2010, la saison 2011 a élu 2 gagnants, Brian Hightower et Ian Mardenborough. Leur victoire n'était pourtant qu'une étape, chacun d'entre eux a dû réussir la transition entre course virtuelle et pilotage réel. N'y a-t-il qu'un pas entre Gran Turismo et la conduite sur circuit? Déjà, Gran Turismo apporte de très bonnes bases pour une vraie voiture. Les sensations sont assez proches. The first time I power slided a car was at Silverstone, and if I'd never done that before in my life, only on games, and it felt completely normal. And it's quite weird how the game teaches you to race, drive like a racing driver. The throttle and the brake inputs are very similar to real life. Gran Turismo is helping us to learn tracks, to learn the lines, to learn how to overtake in the racetrack. So it's a really good tool to learn. Je pense que beaucoup de bons joueurs sur Gran Turismo peuvent réussir dans le pilotage d'une voiture de course. Si l'approche réaliste de Gran Turismo a suffi pour acquérir les bases techniques du pilotage, les sensations découvertes au volant d'une vraie voiture furent-elles complètement nouvelles? La grosse différence, c'est simplement que la voiture réagit avec soi, c'est pas juste l'image et le volant qui bouge. C'est toute la voiture, donc c'est ce qui change beaucoup. You feel the G-forces, especially when you stamp on the brake for the first time in a GT4 car. It really slows down a lot, and I quickly got used to it. But it's definitely an added element that's not in the virtual side of things. Pour être à la hauteur de cet effort physique, les apprentis pilotes ont suivi un entraînement intensif pendant 6 mois, avec en point d'orgue le marathon de New York. Un marathon, c'est forcément, je pense, le meilleur entraînement physique qui existe. C'est long, c'est compliqué, mais c'est vraiment un bon challenge. I did 5 hours in a heat chamber session at Silverstone just to prepare myself, trying to acclimatize to the weather, the hot weather here. Dans les voitures, à monter, je pense, 60 degrés environ. Donc, pour pouvoir tenir 2 heures dans la voiture, il faut quand même un bon physique, clairement. Le chemin jusqu'aux 24 heures de Dubaï passe ensuite par une série d'étapes obligées, l'obtention de la licence pro, puis la compétition au niveau national pour emmagasiner de l'expérience. La surprise, c'est que les vainqueurs de la GT Academy ont raflé au passage plusieurs titres et podiums. En 2011, Jordan a remporté le Blancpain Endurance Series et Lucas le titre de champion du monde en LMP2 comme membre de l'équipe Nissan. Rien que ça. Bien entendu, exceller sur Gran Turismo ne suffit pas pour devenir un pilote performant. To become a racing driver, you have to train, you have to practice a lot on PlayStation, but as well you have to be good on fitness, on mental, on a lot of stuff. Quand il s'agit de freiner au panneau 50, là c'est plus une question de jeu vidéo, c'est plutôt une question de courage personnel. Et là il y a que son propre talent qui peut jouer. A talent of a person is always It's always important, but the most important is to be, you know, to be professional, to push hard of yourself, to work hard, and everything will come. Si ces jeunes champions ne doivent leur talent qu'à eux-mêmes, la réussite de la sélection opérée par la GT Academy n'en reste pas moins surprenante. Au départ, rien n'assurait qu'un excellent niveau sur Gran Turismo pourrait se traduire aussi naturellement sur le circuit. Le passage de ce virtuel au réel, il est incroyable, il est phénoménal, il est formidable. Nous, on a du mal à y croire et c'est vrai que les gens qui sont dans le domaine de l'automobile depuis longtemps font aussi partie de ceux qui peuvent critiquer le virtuel. Aujourd'hui, la preuve est que
le virtuel et le réel, c'est pas si éloigné que ça finalement. Mais pour l'heure, direction les 24 heures de Dubaï où l'équipe de la GT Academy doit écrire le nouveau chapitre de son conte de fées. Alors voilà, c'est le moment fatidique, la course va bientôt commencer. Vous pouvez voir juste derrière moi la voiture de l'équipe des joueurs de la GT Academy. Le premier pilote va prendre le volant et commencer la course. Donc tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de finir la course, puisque c'est pas évident, 24 heures, ça demande de l'endurance, ça demande de savoir bien piloter sur la durée. C'est compliqué, on verra un petit peu en cours de route comment ils arrivent à s'en sortir en recueillant leurs impressions. S'assurer un départ optimal, l'équipe a décidé de tirer parti de l'expérience de Lucas qui devra ensuite passer le relais à Jordan. Chaque session de pilotage dure entre 1 et 2 heures. Pour tenir sur 24 heures, il est donc capital de bien se reposer pendant son précieux temps libre. De retour au paddock, Jordan nous détaille son programme. Bah là, maintenant, pour moi, vu qu'il est 17 heures, je vais me reposer un petit peu. Je vais aller manger un petit morceau dans la voiture. Je remonte d'ici 2h30 à peu près. Donc bien récupérer, m'étirer. Manger un petit morceau et puis après de nuit ça sera mieux parce qu'il fera plus frais donc ça sera beaucoup plus supportable. Le soleil disparaît derrière les immeubles de la ville et les phares s'allument sur le circuit. Pour l'équipe de la GT Academy, la course bat son plein. Nous en avons profité pour visiter leur chambre improvisée. Voilà, alors la nuit est tombée là sur le circuit donc c'est pour nous l'occasion de vous montrer où dorment les pilotes de la GT Academy. Donc ils dorment ici dans ce container. On a la chance qu'il n'y ait encore personne parce qu'ils sont tous encore sur le qui-vive. Voilà, il faut passer sous ces combinaisons. Et puis on découvre donc leur installation de fortune. On voit qu'ils dorment et qu'ils s'installent sur ces lits de camp aménagés en fait sur des chaises de plage où ils ont installé des matelas. Et donc voilà, c'est ici qu'ils dorment entre leurs sessions qui sont quand même assez courtes de repos puisque on sait qu'ils doivent toujours se tenir prêts à partir. Ils n'ont que 3 à 4 heures de battement entre leurs sessions de course. Et donc il faut toujours rester aux aguets. Voilà, c'est ici que les pilotes dorment. Un peu plus tard dans la nuit, un problème de frein oblige l'équipe à un arrêt forcé. On retrouve Jordan pour un rapide débriefing. En fait, Yann est rentré, le frein avant gauche était bloqué, donc restait freiné tout le temps. Donc on a dû changer disque plaquette à l'avant pour assurer le coup. On n'avait plus trop de frein, donc d'un côté c'est pas que ça nous arrange, mais au moins les plaquettes ont changé. Je pense que tout le monde aura son lot de soucis. Faudra en avoir moins que les autres, et ça devrait pouvoir le faire. Malgré ce problème technique, l'équipe de gamers déjoue une fois de plus les attentes et accroche une troisième place sur la ligne d'arrivée. Tout en marchant vers le podium, Jordan prend la mesure de son succès. Je pense que 3 ans en arrière, quand la GT Academy a commencé, très peu remis sur un podium 100% GT Academy un jour. Pourtant, on l'a fait, on a prouvé que ça marchait. Et voilà, bon, un peu déçu, forcément, de ne pas être sur la plus haute marche, mais il vaut mieux 3ème que pas finir. Hein. Pour l'heure, aucun de ces jeunes n'est encore rémunéré par Nissan, mais ses premières victoires leur permettent d'espérer un futur passé sur les circuits.